Je vous souhaite une très sanctifiante fête de la Pentecôte. Et je prie que ce 101e anniversaire de Novicha, que j'appellerai Anicha, Novicha Nouvelle Génération, soit pour nous, non pas simplement une occasion de retrouvailles, mais une immersion dans l'esprit que les pionniers imprimaient dès sa genèse à ce que nous célébrons en ce jour, la fraternité dans l'esprit de Pentecôte. Que soit à jamais bénie la mémoire de Pandolf Yansounou Akpa et ses compagnons. Nous sommes extrêmement fiers de ces personnalités qui nous ont quittés parce qu'ils ont creusé et créé l'union autour des fils et des fils et des filles. Voilà. Alors, nous ne serons pas absents. Nous demandons à Dieu de nous accorder la grâce, de nous accorder la vie, de nous accorder tout ce qu'il faut pour rendre cette période-là belle. Oui, à Houlenou, dont je suis fils natif, nous sommes à pied d'œuvre pour accueillir dans 2 semaines cette fête. Le bureau fédéral nous a fait l'honneur de demander que la fête soit célébrée cette fois-ci à Houlenou. Nous-mêmes, nos fils, nous n'allons pas démériter. Nous ferons de mieux pour que la fête soit belle comme à Grand Popo. Centenaire dans la vie d'une personne, ce n'est pas chose facile. On a franchi cette étape de francenaire et nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère de nos centenaires. Nous remercions Dieu. C'est une joie, une satisfaction pour nos fils de Grand Popo, pour nos fils du Bénin tout entier, parce que Novicha aujourd'hui est devenue une fête nationale. Une fête internationale, c'est plus une fête dédiée seulement pour les fils de la localité de Grand Popo. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas donné à tout le monde. Et comme vous devez le constater, c'est comme le déclic du centenaire continue toujours. Alors, je suis venu cette année, comme les années antérieures, pour partager, pour fraterniser, pour montrer à la communauté internationale, à nos compatriotes béninois, nos valeurs en tant que Houla, en tant que Péda, Wati, tous les peuples qui partagent, qui ont en commun avec nous ces valeurs. C'est vrai que c'est toujours avec un peu de déception que je viens à Grand Popo, parce que je veux que Grand Popo retrouve cette lettre de noblesse. Que Grand Popo soit une ville qui reflète ses potentialités touristiques, économiques. Que Grand Popo soit moins délabré, moins calme. Que Grand Popo ne soit pas seulement animé à l'occasion de Novicha. Mais il faut saluer nos aînés qui se battent pour maintenir la flamme, pour maintenir cette dynamique-là. Parce qu'il y a très peu d'organisations humaines au plan mondial qui ont cette longévité. On parle de centenaires. Aujourd'hui, on est à 1 an, 100 ans plus 1, et ainsi de suite. Je crois que c'est formidable. Il faut saluer cela. Saluer tous ceux qui ont œuvré pour perpétuer de génération en génération nos valeurs. Saluer le comité d'organisation de Novicha et souhaiter que la jeune génération puisse prendre la relève et faire plus. Parce qu'un enfant qui n'est pas capable de faire mieux que son père n'en est pas digne. J'espère que nous serons assez dignes de nos pères et porter plus loin le flambeau que pendant plus de 100 ans. Ils ont cette flamme que pendant plus de 100 ans, ils ont porté.